Ça vous fait YouTube, je suis Suzucube et comme d'hab, je suis content de vous retrouver pour un Let's Play sur Mad Rat Dead. Alors j'étais sur Hyrule Warriors, je suis en train de télécharger les deux No More Heroes, on va pouvoir se faire des Let's Play dessus. Mais en l'occurrence, ça fait un moment que je dois tester Mad Rat Dead. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps du tout de même lancer le jeu. Enfin, j'ai lancé très rapidement, très brièvement, et je me souviens que j'ai vu le tout début, j'ai fait. Ah ouais, ça a l'air de pas mal défoncer, c'était original, et je me suis dit qu'il fallait que je fasse tout le début du jeu avec vous, mais vraiment tout depuis le début, début, début. Alors, please enter your name. Suzukuba. Alors, je ne savais plus exactement pourquoi j'avais trouvé le début très particulier. J'ai effacé ma sauvegarde, j'ai vraiment tout refait. Ah, je me souviens. Ça demande, est-ce que vous avez un rêve? Oui. Est-ce que vous avez vos propres beliefs? Est-ce que vous avez vos propres... comment dire? Putain, et nous, on échappe. Vos propres sentiments, vos propres opinions, votre propre... C'est quoi des beliefs en français? Vous ne voulez pas que quelque chose de... triste arrive. Non. If you can say, si vous pouvez sauver beaucoup de personnes, est-ce que vous essayeriez? Bah oui. Il n'y a rien que vous regrettiez. Non. Les choses les plus importantes, des choses plus importantes que la vie existe. Non. C'est pour ça, ce rat doit être tué ou doit être sauvé. J'ai l'impression qu'ils essaient de le tuer, je dirais qu'il doit être sauvé. You love or hate humans. Hate en tant que rat. Ah, ils disent de jouer avec un headset. Je vous avoue que j'ai pas mon casque. Parce que je pensais que c'était pas un jeu trop basé sur le rythme, mais apparemment c'est le cas. On va écouter ce qu'on nous dit. Ouais, c'est vrai qu'une fois branché au casque, le niveau sonore ne change pas. Allez, c'est parti! On va quand même aller faire un petit tour dans les options. Vitesse du texte, volume, vibration. Bon, il n'y a pas grand chose en vrai. Touch select play. C'est très très simple à ce niveau. Alors, c'est un jeu qui est édité, c'est pas un jeu indé. De là où je suis, il me rappelle un peu Tumbo the Elephant de Sega. Hey! Hey, hey! Bon après-midi! Ah, c'est une parfaite nuit pour... stargazing. Pour glander, je crois. But you, mais toi! Tu es mort tout seul. Un rat pitiful, un rat sans importance comme toi, tu dois avoir des regrets. N'est-ce pas vrai? Si tu peux m'entendre, donne-moi une réponse. Ça ne peut pas être la fin. Est-ce que tu veux continuer? Non. Ok, alors c'est pour toi. Bye. What? Et genre le jeu se finit là? Non, je rigolais. Je sais. Tu voulais pas dire ça. Je vais te le reposer à nouveau. Ça peut pas être la fin. Est-ce que tu veux continuer? Oui. Hey, qu'est-ce qui se passe? Tu viens de mourir.
Quoi? It isn't usual to not. C'est pas anormal de ne pas réaliser que tu es mort. Sérieusement. J'ai passé toute ma journée comme un laboratoire. Je m'ennuyais et ensuite je suis mort. Pff, quelle pathétique existence. Pauvre chose. Mais tu as répondu à ma voix. Et donc, avant que tu sois vraiment mort, attends, on va voir. Je vais te donner ce cadeau spécial. Mais quoi? En fait, qui tu es? Ah ah, qui suis-je? Tu as demandé. Tada! Putain, mais t'es qui toi? Je suis le dieu des rats. Mais quelle sorte de dieu des rats semble aussi mignon que toi, quoi? Ah, oh, t'inquiète pas, c'est pas une blague. Maintenant, tout sur toi. Tu as passé toute ta journée dans une cage, en étant torturé par des humains. Mais même comme un pauvre vieux rat comme toi doit avoir, mais même un pauvre vieux rat comme toi doit avoir des regrets. C'est pour ça que je te donne une chance de réaliser tes rêves. N'est-ce pas incroyable? Mais je suis dead, je suis mort. C'est ce que je disais. Je vais te faire revivre ta dernière journée. Mais. So don't just rot away in a place like this. Donc ne périme pas, ne meurs pas dans un endroit comme ça. Vas-y, viens et suis-moi. Mais attends. C'est très joli graphiquement, ça me rappelle vraiment Tumbo du coup. J'enregistre le jeu en 60 FPS 720p. Mais en fait, j'aurais dû faire du 1080p 30 FPS parce que le jeu tourne en 30 FPS en vrai. Qu'est-ce que tu espérais? Je suis tellement faible. Il lui dit, mais t'es lent. Mais tu voulais pas ça? Tu n'as pas eu ta vie maintenant. C'est vrai. Donc si tu as eu ton dernier jour, donc si tu as ton dernier jour, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Tout le monde a le droit de trouver le bonheur. Quel que soit son rêve. Il va devenir vrai si il y pense très fort. Tout le monde a le droit de mordre à un traitement spécial. Seulement les idiots pensent qu'ils ne peuvent pas être des winners, des gagnants. Et à propos de toi, hey, dieu des rats, est-ce que tu penses que je vais pouvoir réaliser mes rêves? Et que ce sera d'accord si je meurs? Ça te regarde. Je veux pas, je peux pas mourir comme ça. Dieu des rats, aide-moi à faire mon vœu final. Ah, ok, je vais te guider. Alors commençons. Je vais te montrer comment utiliser le pouvoir caché pour remplir tes rêves, enfin tes vœux. Le pouvoir caché? Ouais. Your chest, chest, c'est où déjà? Enfin, c'est sur lui. Là, existe. Yes, maintenant, concentre-toi. Tu peux le voir. Est-ce que tu peux? Ce battement qui te donne la force. Maintenant, appuie sur le bouton A sur un rythme. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai des hallucinations auditives. C'est le pouvoir qui te donne ta force, la puissance qui te donne ta force, ce truc. Allez, va trouver un but dans ce labyrinthe. Si tu trouves un but, je te ferai revivre la journée. Ok, faisons-le. Tu vois ce fromage?
suit le rythme. Ouais, c'est pas mal en vrai. En fait, pour te déplacer, tu dois le faire en rythme avec la musique. Parce que sinon, il peut pas se déplacer. Car sans musique, tu te déplaces comme un escargot. Putain, j'utilise le L-stick, idiot. C'est bizarre ça par contre. Hein. C'est un peu mal fait. Parce que le chargement, il n'y a pas d'animation. Ah là, ben, je suis bloqué. Sauf s'il faut charger avec X plusieurs fois. Bravo, je suis bloqué. Il ne peut pas dash up. De sauter avec le rythme. Les vibrations sont vraiment cool au passage. Hein.
Ah, bah, j'aime lui, il a attiré quoi, la Sonic. Pas très ergonomique et je trouve ça quand même dommage de pas avoir 60 fps quoi. La hauteur compte pas en fait. J'ai pas demandé petit rap, félicitations, t'arrives au goal, je suis fier. Mais qu'est-ce que tu penses faire pour ce dernier jour? Quel est ton dernier truc? Tu vas manger du fromage, tu vas jouer dehors. Écoutera, mon vœu est de prendre ma revanche sur cet humain qui m'a attrapé et qui m'a mis dans cette cage toute ma vie. Quoi? Revanche sur un humain? T'es sérieux? Je suis super sérieux. Avant que je meure, je vais tuer cet humain. Tu es un rat avec un vœu dangereux. Il y a tellement de choses fun à faire. Je comprends, mais... je comprends pas. J'ai rêvé à l'extérieur de ce monde. Mais tout ça n'a plus aucune importance pour moi maintenant. Je prie pour que ce jeu change. Je vais pas le faire. Quoi que tu diras, alors qu'il arrivera, je ferai ça, je le tuerai. Et je vais m'assurer que je serai pas mort, j'aurai pas peur de mourir à nouveau. Je vais lui montrer la vraie terreur des rats. Je vais montrer à cet humain. Je suis déterminé. Ok, là je vais te renvoyer dans le temps. Je me demandais comment on peut retourner dans le temps, dis-moi. Allez, place tes mains sur tes... les chests, c'est quoi? C'est sur les paumes de la main? Dis à ton cœur que tu veux revoir ton dernier cœur, ton dernier jour. Dis à mon cœur. Chest, c'est la poitrine, non? Ça, je me souviens même plus. Écoute-moi, cet humain méchant, pourquoi pas, qui a fait de moi un rat de laboratoire toute sa vie. C'est de sa faute si j'étais un rat de laboratoire. Je n'accepte pas ça. Donne-moi un jour. Donne-moi un jour pour réaliser mes vœux. Bon boulot. Ok, petit rat, écoute bien. Tu vois ce cœur? Tu peux faire revenir le temps en arrière. Vas-y, fais-le revenir jusqu'à ce matin. Peut-être que j'ai été trop loin? Allô? Voilà où tout a commencé. Toujours final. Mais rappelle-toi, tu peux retourner dans le temps. Mais ta destinée ne changera pas, quel que soit ce qui se passera. Quand la nuit tombera, tu mourras. J'espère que tu peux trouver un sens à ta vie. Allez, bonne journée à toi.
C'est vraiment curieux comme jeu, putain. Allez, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, petit rat. Je suis déjà défoncé. Je pensais que j'étais mort. Attends, je suis dans ma cage. Ah, ça a marché, je suis retourné dans le temps. Finalement, j'ai une nouvelle chance. Donc je vais le faire. Allez, on n'a pas de temps à perdre. Faut sortir de cette cage. Yes! Je l'ai fait, je suis sorti. C'était plus facile que j'aurais pensé. Allez, on va continuer à être comme ça. Donne-moi les battements. Comme ça. Wow! Je sens les battements. La musique est vraiment géniale, hein? Allez, on va prendre notre tournant sur cette main. En vrai, une fois que t'es en dehors de... Regarde, c'est B pour descendre? Non, c'est A. Y. En vrai, je sais pas, ça a un truc. Je pense que je vais descendre sur lui directement. Ça a quelque chose de captivant. Je crois que c'est une espèce de... C'est plus un jeu de rythme. C'est un mélange entre jeu de rythme et jeu de plateforme. Hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre manière de le faire, quoi. Le truc, c'est qu'en termes de rythme, c'est plus un métronome qu'autre chose. Ce que je veux dire, bah, c'est que vraiment... Comme quand même de la concentration, en vrai. C'est que vraiment, l'appui en rythme sur les touches, c'est toujours le même, quoi. Oui, d'accord. Mais quoi? Ah, faut leur sauter dessus. Ça, je savais pas, tu vois, je pensais que Dash le tuait. C'est n'importe quoi. Super ergonomique. Hein. En fait, quand tu sautes, le deuxième saut est un dash qui va dans le sens, dans n'importe quel sens, il ira toujours sur le. Putain, mais il est tombé d'un coup!
que pendant quelques secondes, en fait, tu n'as pas pu pouvoir. En fait, t'es un peu obligé d'utiliser le dash, t'as pas assez de temps pour vous. D'accord, en fait, si tu rates trop de mesures... Si tu rates trop de mesures, en fait, tu peux plus refaire ton mouvement. Putain, quelle horreur. C'est... Non, c'est un jeu intéressant, mais... On a tendance à s'emmêler sur les mouvements. Je suis pas sûr que c'était nécessaire d'avoir autant de mouvements différents. C'est-à-dire vers le bas, ça aurait peut-être mieux que ça aille vers le bas directement, parce que là vers le bas c'est Y qui est à gauche, B ça permet de sauter, A je sais même plus à quoi ça sert à dasher, et X ça sert à charger, ce que j'ai jamais utilisé durant cette session. Je sais pas. Le fameux humain. Putain, cette voix qui est tue. C'est la voix de son cœur. Il parle littéralement à son cœur. Quel con, voilà, c'est exactement ça le problème, c'est que quand tu oublies quelle touche correspond à quoi, ça donne ça. Il y a eu un lag! Putain, gars! Dans un jeu de script, tu peux pas avoir de lag. Tu peux pas. Trop perturbant. La punition, c'est que tu ralentis. Tu perds beaucoup de temps parce que t'as vraiment tout aimé encore. C'est un cactus.
vas aller trop vite en fait. Ouais, c'est utile dans ce jeu. Je pense qu'il doit être dur aussi pour ceux qui aiment le time trial. Enfin, les speedruns, tu vois. J'ai que des harangues. Bah écoutez, le jeu est intéressant. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que je suis pas à 200% dedans. Car le design il est cool, mais je suis pas non plus à fond dedans. Soit l'air marrante, mais d'une part c'est en anglais, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, c'est déjà un petit point rebutant. D'autre part, elle est cool, mais je sais pas. Il y a tellement de rats, ils sont tous attrapés pour faire des expérimentations. Ils vont m'aider à tuer l'humain. Alors, je suis curieux de savoir comment. Hey you! Est-ce que tu m'entends? Pourquoi ils nous ignorent? À cause de toutes ces expérimentations, sûrement. Hey toi! Qui es-tu? T'inquiète. Je suis sorti de ma cage maintenant. Pourquoi? Parce que j'allais mourir et que je... Boredom? J'ai l'impression que ça va être freedom, je sais pas. Est-ce que toi aussi? Non, moi je suis occupé et je suis en train de m'amuser. Hein? Est-ce que tu te fous de moi? Tu peux pas le voir? Je tourne dans ma roue maintenant. Ce gars a l'air complètement content. Mais c'est ridicule. Hé hey, toi! Attends! Tu es tellement méchant! Enfin, tu es tellement rude! Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as besoin de leur aide, essaie d'être poli. S'ils s'en foutent. Moi j'y vais maintenant. Hé hey, attends! On dirait que tu t'amuses avec toi-même. Non, je parle à toi. Oui? À qui est-ce que tu parles? Bon, j'y vais aussi. Et il est parti. Tu lui as fait peur. Il a eu peur parce que je te parlais à toi. Tu ne penses pas qu'il peut pas me voir? Bah, bien sûr que non, t'es une hallucination. Il n'y a pas moyen qu'un cœur puisse parler. Je suis pas une hallucination. Hé hey, toi, viens avec moi, on va sortir d'ici. Pourquoi est-ce qu'on sortirait d'ici? Pour prendre notre revanche sur cet humain en le tuant. Et qui tuerait cet humain?
Mais est-ce que tuer cet humain ne voudrait pas dire qu'on aura plus de sécurité? Je crois que tu comprends pas. Tu vas le regretter quand tu mourras. Ok, bah je vais rester ici. Je reste ici, je vais pas mourir. Oublie ça. Alors, ou alors ton aide, regarde. J'ai peur. Ah, Freddy Rate. J'ai pas compris le jeu de mots. Tu devrais pas aller dehors. C'est dangereux d'aller dehors et de mourir. C'est encore plus dangereux que se faire tuer par des humains. C'est encore plus fou, c'est encore plus fou. Hey, rat, t'as toujours personne de ton côté. T'as vu? Ces gars sont tous des rats peureux. Oh, arrête, tu m'as moi. Ok, c'est bon. On va tuer cet humain et mon vœu. Je peux le faire par moi-même. Écoutez tous. Vous n'êtes que des petites merdes. Je vais le tuer et sortir de cet endroit. Et vous allez être ici et vous allez être utilisé par ces stupides humains jusqu'à ce que vous mouriez. Au revoir, bande de rats. Je me barre. Cherchez Heidi. On n'a pas besoin de ces losers. Ouais, en fait, même s'il y a eu l'introduction, je m'attendais à un niveau complètement différent, mais... C'est comme la musique, comme elle est là depuis tout à l'heure, on l'a déjà écouté depuis un moment, elle n'a rien de nouveau quand elle est dans le niveau. Dur comme niveau par contre. C'est comme il y a de la plateforme. Forcément, c'est déjà un peu plus dur. Ah, le combo, c'est les combos musicaux en fait. C'est pas le fait de prendre les pièces vertes ou pas. Après, j'aime bien que le jeu tripe forcément. Il y a quand même un petit côté plaisant. C'est vrai que c'est curieux comme association. Une espèce d'automatisation que tu retrouves pas dans les jeux de plateforme basiques. C'est chiant aussi. Parce que là, j'ai pas vraiment besoin de sauter, quoi. Mais je suis obligé parce que... En fait, c'est la lecture du jeu musical qui est pas toujours évidente.
bizarre parce que t'es là avec le rythme. Et des fois, je dois casser ton rythme par rapport à la musique parce que. Parce que voilà, là par exemple, c'est plus du tout en rythme avec le. Avec le jeu. Comment quoi ça s'appelle Miss.jp, c'est un jeu japonais ça? Putain, mais c'est abusé! On passe pas les plateformes! Là en fait ce qui se passe c'est que je suis totalement désynchronisé. Et du coup ça sonne beaucoup moins bien. Enfin ça saute beaucoup moins bien. À chier. Honteux. Putain. Les mecs mettent un trophée pour ça. Le level design pas ouf ici ou quoi? S plus avec toutes les fautes que j'ai faites. Mouep! Elle sera là, il suffit de mordre l'humain. La mythe, putain, il m'a attrapé ce connard. En fait, le thème, c'est vraiment. C'est vraiment ça, quoi. Enfin, voilà, les amis, c'est. Mad Rat Dead. Un jeu de plateforme. La première qui est fait par Nippon Ichi Software. J'aime beaucoup leur jeu. Habituellement, mais là c'est vrai que c'est très particulier. C'est pas désagréable, mais c'est. Vous avez vu, hein, le jeu, c'est le jeu. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis merci d'avoir suivi. À tous les otaku. Et à bientôt sur otaku.fr. Ciao, bye bye.